Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve sur Genshin Impact, devant ce magnifique paysage, et on va parler aujourd'hui de deux choses. Alors la première des choses, c'est tout simplement qu'il y a, un live qui a été prévu pour le 30. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Alors comme on peut le voir ici, en gros le 30 octobre, donc vendredi, il y a un live qui a été prévu. Par contre, là ça a été traduit en gros du chinois, du coup je sais pas si c'est 20h également pour nous, ou c'est plus tôt ou plus tard. Mais globalement, en gros, on a un live qui va être prévu et qui va nous parler de la prochaine version, du coup la 1.1, qui va nous montrer les différentes choses qui vont peut-être arriver dedans, les différents personnages. Il y aura aussi les doubleurs qui seront présents, donc ils vont parler un peu comme le faisait 7DS à l'époque, pour ceux qui ont connu, quand ils font leur live pour vous présenter les différentes choses qui vont arriver dans le jeu. Donc c'est plutôt sympathique. Maintenant, le truc, c'est que je connais pas trop l'heure. Si j'arrive à savoir l'heure, ce qui serait cool, c'est de pouvoir faire un live avec vous, du coup pouvoir discuter et voir les différentes choses qui vont proposer. Au pire, même si c'est en chinois, c'est pas grave, au moins on pourra voir les différentes choses qui seront proposées, les différents personnages, les différents events, comme par exemple le boss Child, attention petit spoil, dans la dernière vidéo que j'ai fait, qui montre du coup ce qui peut arriver. C'est plutôt sympathique, en vrai, enfin ils prennent la parole, c'est dans 2 jours, donc voilà, c'est histoire d'en parler, on peut voir qu'il y aura un nouveau live, pourquoi pas. Et l'autre chose qui a été plutôt sympathique aussi, qui a été mis, c'est ceci. On peut voir en gros qu'il y a un nouvel événement qui permet tout simplement d'inviter de nouveaux joueurs. Donc en gros, vous allez ici, je vais vous mettre le lien en description, c'était sur le Twitter de Genshin Impact FR. Vous allez dessus, vous cliquez sur ici, et en gros, vous allez devoir mettre votre code d'ami et inviter différents joueurs. Et vous allez gagner différentes récompenses. Bon, les récompenses ne sont pas non plus les plus folles possibles, mais c'est quand même sympathique. On peut voir, c'est qu'en gros, dès qu'un joueur a débloqué quelque chose en aventurier, vous gagnez des primogèmes et des primogèmes et 10 000 moras. Bon, on s'attendait quand même à beaucoup mieux, on va pas se le cacher. Mais voilà, ça fait quand même une petite single de gratuite, entre guillemets. On va pas non plus cracher dessus, même si c'est pas non plus la meilleure des choses. On aurait bien aimé avoir autre chose que juste 10 000 moras, par exemple. 10 000 moras, c'est pas... C'est pas non plus le feu de Dieu. Et l'autre chose, du coup, comme je disais, pour ce live, par contre, le live sera en chinois. Donc, voilà. S'il y en a parmi vous qui connaissent le chinois, si jamais on fait un live dessus et qu'on regarde ce qu'ils ont mis, n'hésitez pas à venir me voir, vous me dites, moi je comprends le chinois, je peux te traduire ça sans souci, ça sera avec plaisir. Viendra avec moi sur le live et on pourra en discuter. Mais donc voilà, on a différentes choses du coup qui vont arriver pour la 1.1, on saura du coup les différents personnages, peut-être du coup la bannière qui va arriver, en tout cas, ça serait pas mal, même si je pense que ça sera Zhongli ou alors Tartaglia, donc Child. On va sans doute aussi nous parler du boss, comme je l'ai dit, et des différentes quêtes, comme on peut le voir par exemple dans le jeu actuellement. La quête s'est terminée sur un beau cliffhanger à Liyue, donc ce serait plutôt sympathique de savoir ce qui va se passer dedans. Même si je pense pas qu'ils vont rentrer trop dans le vif du sujet, peut-être nous parler des différents events qu'il va y avoir, peut-être des différents personnages, comme il y aura les voice actors qui seront présents. Donc voilà, c'était juste histoire une petite vidéo assez rapide pour vous parler que dans 2 jours, le 30, du coup, on aura un live pour nous parler de la 1.1 et qu'il y a un nouvel event d'invitation de nouveaux personnages qui a été mis en jeu. Pas exceptionnel l'event, mais c'est toujours de ça de prix, on va pas non plus cracher dessus. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo assez rapide pour vous parler de ce qui allait arriver sur la 1.1. Moi comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis la bise.